peuple de gens qui font des plans comme ça, où ils disent rien et ils sont... Personne n'ose faire ça. On est à la gare de Lyon et aujourd'hui j'ai... j'ai rien à dire. Je suis avec madame. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et on est un jour lyonnais et c'est la fin de ce merveilleux week-end. Raj, on en a pas parlé hier du week-end, de qu'est-ce que c'est, comment c'était le truc et tout. La conférence, tout ça. Hein, ouais, l'atelier. C'était vraiment bien. C'était une très bonne expérience. La meuf qui a organisé ça, elle s'appelle Clémentine. Et très franchement, c'était hyper bien organisé, c'était très carré, très pro. Ça se voyait qu'elle y avait mis tout son cœur, son mari aussi, les bénévoles aussi. Donc c'était une super expérience. Il y avait plein de blogueuses, youtubeuses. D'ailleurs, je te les ai montrées hier et là on va les voir encore, si on trouve le chemin. Mais c'est pas dit qu'on le trouve. Et je suis vraiment ravie d'avoir participé. Vraiment, vraiment, vraiment de ouf. Alors attends. Je reviens. Bonjour. Bonjour, en bas. En bas. Merci beaucoup. Ils étaient très bons les gâteaux hier. Ah, cool. Les merci. Deux. Le chocolat particulièrement. Ouais, hein. Quand tout le monde s'en va, les gars. Bon, bah, coucou. Aujourd'hui, on est un nouveau jour. On est un jour de. Tu montres pas le bâton. Hein? Non, rien. Tu peux filmer l'endroit? Je suis déjà en train de filmer, je peux filmer l'endroit. En fait, il y a la caméra. Bon, c'est pour avoir des images. Non, je prends pas de quiche. C'est moi la quiche. Ah oui, c'est toi. Okay. C'est moi la quiche. Voilà, mademoiselle. Merci. Merci. Quoi? Elle a commencé à avoir des. Non, elle m'a dit tous ces trucs, j'ai dit je peux pas. Et elle a fini par sortir une salade de quinoa. Tu veux de quoi? Le bout d'abord qu'on a mangé, c'était lait de coco, banane. Ouais, mais elle a dit qu'elle a arrêté de cuisiner en fait. Enfin, elle a. Ah, c'est ça. C'était que pour vous. Ah, mais c'était un smoothie bowl chez moi. C'est pour savoir si je vous mange. C'est trop beau. Vous avez osé le manger? Non, il y a rien. Donc, ça, c'était photo. Non. Ouais, putain, tu fais des belles photos. Propre. Tu comptes pas ça? Moi j'ai pas faim. Ah, t'as pas faim? Mais non, si. T'as faim ou pas? Plus de sarrasin par exemple, tu peux manger ça? Ouais, c'est écrit gluten free, c'est sûr que je pourrais manger. Ah, bah voilà! Ah, ouais, poireau j'accepte, mais l'hiver tu vois, et la brocoli impossible, chou même pas. Ah ouais, en rêve, artichaut. Ah ouais, t'aimes pas ça? Putain, je suis très limitée en goût. Ouais, entre nous tes yeux, fais comme ça. Je sais pas. Donc là vous voyez, donc d'après Clotilde, ça c'est un signe. Moi je vois jamais. Ah mais toi c'est blanc aussi. Toi c'est blanc. Non mais moi je suis toujours en manque de fer. On va mourir des yeux. Je le sais parce que j'ai tout le temps sommeil, et quand t'as sommeil... Mais je fais que dormir. Si vous avez... Vas-y, refais-le. Si vous avez les yeux comme ça, c'est que vous manquez de fer. Je savais pas que j'étais malade. Moi c'est bon. C'est bon. Attends, mais check, tu check. Mais non, mais moi c'est blanc aussi. Non, c'est beaucoup plus rouge. Et après, faut que tu apprennes à te connaître. Ouais, mais ça veut peut-être rien dire, c'est peut-être que j'ai les yeux rouges. Me reconnecter à la terre. Te reconnecter à la nature. Donc si vous avez les yeux blancs, il faut manger quoi?
Et ben de la viande, mais si vous êtes végétarien ou autre, bah, vous mangez des légumes verts, des noix, du... faut éviter le thé et le café. Ah, tu bois tout le temps du thé? T'en manges pas? Ah, parce que ça le prend. Ouais, ouais, en fait, ça empêche le fer de s'amalgame. Se fixer. Mais tu peux en boire, mais loin de l'alimentation. Mmh. Genre une demi-heure, tu vois. Tu bois un thé le matin, tu manges une demi-heure après, et puis voilà. Ça va. Dans les graines de chia, il n'y a pas du thé? Du fer? Sûrement, sûrement ça doit être bourré de... Okay. Et dans c'est pour ça que les gonzesses, elles mangent plein de trucs bizarres, genre açaï, spiruline, trucs comme ça, des poudres. T'as plein de fer là-dedans. Ah bon? Pas très bon, mais t'as plein de fer. Tu l'as bien descendu par contre, hein, le pot de Nutella, une semaine, tu l'as bien défoncé, hein. J'ai perdu 400 grammes parce que j'ai pas mangé. T'as mangé quoi? J'ai pas mangé. Ah oui, non mais quand tu as mangé, tu vas bien reprendre. Moi j'ai perdu 1 kilo à Paris. Ah, mais par contre tu me diras le manteau et c'est tout là. Je pense que je suis récupérable, c'est juste moi. C'est moi. En fait, c'est juste moi qui tire trop sur la corde. Ça fait combien de temps t'appelles ça tirer sur la corde, toi? C'est quoi alors? Ah, j'ai fait quoi alors? Bah, dis, je bouffe quand même pas. Je tire sur. Non, en fait, je tire sur la corde dans le fait que j'ai limité vite et que je pense que je pourrais toujours me rattraper. Et le problème, t'as vu comme je mange? Et moi, je devrais être obèse, on est d'accord? Et j'élimine aussi bien que toi. T'as plein d'appétit, c'est facile. Moi, c'est vrai, je mange pas en fait. Mais je m'en suis rendu compte à Paris que je me nourris quasiment pas, moi en fait. Alors que moi, tu te rends compte, là, je me dis, mais c'est pas un problème que t'as de perdre. Il m'a dit, c'est ton estomac qui a un problème. Mmh. T'es pas quelqu'un qui arrive pas à perdre le poids, c'est que tu manges trop. Tu vas au-delà, je mange vite, je mange trop. Moi, quand je mange, il faut que j'ai mal au bide. C'est pas normal ça. Pas normal. Un Subway, avant je pouvais pas faire un Subway. Mais quand tu vas au quick la veille de quand tu me dis que tu vas faire des efforts et que tu me fais chier, tu vas au-delà. La veille, non, pas la veille. Tu vois comme t'es une mytho? T'as vu comme t'es une mytho? C'est toi le mytho là. Regarde! C'est pas la veille. Et t'as vu comme j'étais malin? Ouais, t'as acheté plein de trucs, c'est trop bien. Ça j'avoue c'est bien. T'es tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as acheté quelques fruits bio, par contre t'as acheté de la viande. Comment quelques fruits bio? T'as acheté de la viande. Oui d'accord, allez, t'as acheté les trucs bio, je suis avec toi. Tout bio, ça m'a coûté un bras. Ok, par contre, quand le chat n'est pas là, les oiseaux consommateurs de viande dansent. Hein? Alors, tu m'as ramené des petits... Alors t'as pas dû t'empêcher de filmer? J'ai pas encore filmé tes... Vas-y. Non, on va dire à la terre entière ce que t'as fait quand j'étais pas là, t'as pas été un garçon sage. Qu'est-ce que t'as fait quand j'étais pas là? Ah mais j'ai acheté des fruits bio. Ouais, et après? J'ai acheté des légumes bio. Ouais, et après? J'ai acheté des... les tomates, c'est des fruits, c'est des légumes. On s'en fout, qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Farid, qui est pas très bio. Ah oui, j'ai acheté des mangues, mais il n'y avait pas les bio. Non, tu sais très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre qui est pas très bio? Eh ben moi, on m'a dit qu'elle était bio. Qu'est-ce que t'as acheté que normalement ça court dans la prairie et là ça finit en barquette? Je sais pas. Regarde, c'est vert, c'est bio. Non, fais voir ce que t'as acheté. De là, du poulet. Protéines. Franchement, Varie, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je peux plus manger des animaux, je te le dis sincèrement, je suis plus capable. Tu peux plus manger des cadavres. Non, c'est pas une question de cadavres, franchement. Regarde, j'ai ça aussi, regarde, t'as le tampon en arabe, bio. Mais c'est du faux bio. Non, c'est le truc vraiment de plus en plus. Je m'en rends compte déjà, j'en mange plus de viande. Oui, mais moi aussi. Mais même le poisson, je. Dans le frigidaire. Ouais, c'est ça. Je sais pas du tout, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. C'est qui est rentré par là, là. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Non, la vérité, je pense que je mangerai plus jamais des animaux. C'est un non-sens de manger un être vivant. C'est un non-sens. Tu te rends compte? Je disais avec ma mère la dernière fois, quel film d'horreur pour l'animal s'il avait peut-être la capacité. D'accord. C'est un film d'horreur. Il est dans un truc de... Je sais pas, c'est qu'on va le bouffer. Nous, ça nous... C'est horrible. C'est comme si on bouffait un être humain. C'est pareil. C'est la même chose. Et le poisson, j'ai plus trop envie d'en manger en fait. J'ai
trop ça. Les amitiés se créent et chacun sa porte. La parole est sacrée, mais ton quartier tu colportes. Et puis tu tombes à l'image de leur époque. La déception des parents, on en connaît l'odeur. Les larmes de maman, on en connaît la chaleur. Les proches pleins d'espoir, au désir perdu. Non mais tiens, je fais le beau, mais moi je vais travailler. Et puis j'ai fait. Alors voilà. Mais quoi? Tu danses avec toi? Je veux... Non mais là, Letitia, je veux le beau, mais tu sais que je dois aller travailler. Et là, c'est ma copine que j'aime qui chante, Juliette Katz. C'est fini, les toilettes c'est fini, la cuisine c'est fini. Down on my knees, I beg you. Down on my knees, I beg you. Na 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 na. Please, don't leave me. Des samples de feu dans le feu des pétanques.